Et salut à tous et bienvenue dans la folie, c'est Zartrix. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre carrière pro avec Zartrix, notre gardien. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer face à Ingolstadt, le Bayern, Manchester City et Leipzig. Pas vraiment dans cet ordre-là, mais on va y jouer quand même. Je vous remercie pour tous les commentaires, les pouces bleus, tout ça, tout l'accueil que vous faites à chaque épisode. Vous êtes des oufs. Et donc, je comprends, je vous comprends. Certains n'ont pas aimé le fait que je simule les matchs. Je comprends. Mais je n'avais pas d'autre choix si je voulais vraiment quitter Augsbourg le plus vite possible. Donc j'ai décidé de faire comme ça. C'est moi qui ai décidé. J'en assume les conséquences. Ensuite, oui, lors de la dernière vidéo, on avait pas mal joué. Le problème, c'est que on n'était pas assez sortis dans les pieds des joueurs en face à face. Donc c'est ce qu'on va faire. Essayer de plus boucher l'angle, tout ça. Et normalement, ça devrait bien se passer. Donc, je vous remercie. On va partir tout de suite au Signal Iduna Park face à Ingolstadt. C'est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Sérieux? Sérieux? Ah non, mais c'est n'importe quoi. C'est quoi cette passe qu'il a voulu faire? Il s'est pas rendu compte qu'il était genre. Je sais pas moi. Waouh, qu'est-ce qu'il a fait, mon gardien là? Oh, elle est belle. Il n'y a personne au centre. Ah oui! Non, mais comment tu lui marques pas celui-là? Non, putain. Je crois pas, quoi. C'est pas possible. Oh putain. Non mais non! Pourquoi ma défense ça récupère jamais les ballons? C'est un truc de ouf! Ouais, je suis même pas encore eu le temps de me relever. Putain. Ah, ça me saoule ça. Pourquoi tu me l'as fait à moi? Casse-toi. Oh, c'est pas possible quoi, je suis arrivé à Dortmund, j'ai l'impression que c'est pire que quand j'étais à Augsbourg quoi, il n'y a même pas d'action en attaque, il se passe rien, je prends plus de buts, putain c'est n'importe quoi quoi, sérieux. Bon, allez on passe sur la deuxième mi-temps, j'ai même pas envie d'en parler, ça me gonfle. Sérieux quoi, comment ça se fait ça, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, j'avoue, je suis nul, c'est bon, vous pouvez me le dire, vas-y, j'en ai rien à battre. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, je suis nul, ok, il n'y a pas de souci. Mais putain, c'est pas normal qu'on n'ait pas d'occasion en attaque, quand même. Et j'ai beau être pas bon en gardien, ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas normal que Dortmund, ils aient aucune occasion. Je suis en légende, hein. Je veux pas dire, mais Ingolstadt, ils sont pas meilleurs que Dortmund, hein. Il se passe rien en attaque. Allez, les gars, là. Faut être rien. Regardez ça! On fait même pas de centre! Bougez-vous, on est mené là! Restez pas au milieu de terrain! Qu'est-ce qu'ils font là? Regardez-moi ça, Aubameyang, il est quasiment dans ma surface! Le courant qui doit marquer dans l'autre? Allez, mais tiens, putain! Regardez ça, là, ils font le mauvais contrôle au mauvais moment. On a 60% de possession de balle, ils ont fait rien avec les 60% de possession de balle. Putain, Rodeux, là, qu'est-ce que tu m'as fait encore? C'est pas possible! Ah ouais, là, je lâche tout, là, dans cette vidéo, dans ce match. Ça m'énerve, ça m'énerve. Je comprends pas pourquoi on n'est pas capable d'avoir une occasion. Pourquoi je me retrouve dans une équipe qui est ultra offensive et qui se passe rien. Je serais avec le Barça, ce serait pareil, tu vas me dire? C'est pas possible. Le jeu, il est buggé. Ouais.
Bon bah, au moins j'aurais fait un arrêt. Bon les amis, bon je vais bien rager sur ce match-là. Ça faisait longtemps que j'ai pas ragé, ça fait du bien. Donc bon, on va passer tout de suite au match suivant parce que là, j'ai tout dit pendant le match. Hein. Je ne comprends pas. Donc c'est pas grave, on va passer au match suivant. Hop, on va faire les entraînements avant. On est bientôt 83 de général. Donc c'est pas mal. Et là, maintenant, l'équipe va falloir qu'elle se réveille face à Manchester City. Bon, je vais essayer de me calmer un peu pour les prochains matchs. On n'est toujours pas appelé en sélection, non. Donc, on va jouer le match face à Manchester City. Tac. Et là, il faut gagner. Il faut gagner. Donc, les joueurs sont crevés pour certains. Mais il faut gagner ce match, s'il vous plaît. Faites quelque chose, gagnez. S'il vous plaît, allez au Signal Iduna Park face à Manchester City. C'est parti. Oh là là, putain, il est dingue ce joueur. Allez, va, tu vas te prendre un rouge. Hein. Putain, t'as de la chance. Allez, si tu passes quelque chose sur ta question. Ouais, assez contré, bon ça va alors. Putain, il s'était rien passé du match. C'était horrible, j'avais peur. Allez, un nouveau corner, allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais faites quelque chose, on est éliminé pour l'instant. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Il se passe rien. On est en train de lutter pour se qualifier là. Ouais, bravo. T'as fait une frappe. Allez, Castro, allez. Et putain, appliquez-vous sur les passes. Moi je l'aurais pris un but comme ça. Moi un truc comme ça, j'aurais fait ça, j'aurais pris. Allez, Aubame, tu t'es bien battu, allez! Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se retourne pour faire une talonnade? Tu pouvais pas faire une passe normale? Non, le mec il se retourne, il fait une talonnade. Allez, puis avec pitié quoi. Vous vous rendez pas compte à quel niveau vous êtes ridicule quoi. C'est impressionnant. Mais Castro, t'étais passé, pourquoi tu te retournes? Oh non, mais là, ça devient trop là. Allez, on y va là. Allez, on défend. Comment ça se fait qu'il fait 50 mètres sans se faire toucher? Y a personne au contact sur lui. Allez. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. De toute façon, vous voulez pas jouer, je joue pas non plus. Ok? C'est comme ça, vous voulez faire? Ben, ça se passera quand? Rien fait du match, super. Allez, on est éliminé, génial. Allez, on s'en fout de voir là cette PD s'embrasser là, allez! Allez, bien joué, allez, au revoir. Au revoir la Ligue des Champions, super, on était content. Allez, 5,9, j'en ai rien à foutre. Regardez, regardez ça, bravo, ça, bravo, super. Allez, suivant. Suivant, on s'en fout. Allez, on continue, voilà. Il s'est rien passé, c'est génial. Allez, on va jouer face au Bayern Munich. On va se faire rouler dessus, allez on y va en tant qu'affaire, parce que là j'aimerais bien abréger mes souffrances en fait. Vous voulez pas jouer autant, passer les matchs rapidement pour vite arriver au mercato estival. Donc alors, à l'Allianz Arena face au Bayern Munich, allez c'est parti. Ouais, super, j'ai capté un ballon. Vous savez quoi, je vais pas ruiner ma carrière pour vous. Hein. Vous voulez pas jouer, très bien, mais moi vous niquez pas ma carrière pour vous. Hein.
Je ne nique pas ma carrière, moi. On fait quelque chose là. Parce que je vais pas vous porter pendant toute la saison, toute la saison qui reste, hein. Regarde-moi ça, Gotsu, mais c'est une tanche, Gotsu. Oh là là. Ça, j'aime pas. Oh putain, mais il plonge! Oh, mais c'est une blague! Mon gardien ne plonge pas! Pourquoi il plonge après? Je comprends rien! Il est buggé le jeu là! Qu'est-ce qu'il y a sur cette vidéo? Il est buggé! Putain, mais c'est impressionnant! J'étais tué tout quoi! Pourquoi il plonge après? Allez, Dembélé accélère. Allez. Non, mais Dembélé, pourquoi tu fais une passe en arrière? Mais non, là c'est une blague. Putain, j'en ai marre. Cette vidéo, c'est une blague. Le jeu fait tout ce que je, tout l'inverse de ce que je veux, de ce que je lui demande. C'est dans cette blague-là, c'est cette vidéo-là. Franchement, je suis désolé, mais il y a pas d'autre choix. Le jeu, il y a un bug là. Je sais pas, il y a un problème. C'est pas possible autrement. Manquerait plus que la vidéo soit corrompue, que je perde mes fichiers et tout après une fois que j'ai terminé l'enregistrement. Là, ce serait là, quoi. Ce serait une vidéo niveau cancer de level maximum. Tu vois, c'est. Là, c'est pas possible. J'essaye, hein. Franchement, je fais tout ce que je peux, mais quand le jeu décidait que non, non. Je suis désolé, franchement, je suis désolé. Alors, oui, ça fait longtemps que j'ai pas ragé comme ça, mais là, il fallait. D'ailleurs, sur une carrière pro, je crois que j'ai pas beaucoup ragé, mais sauf quand j'étais à Nice. Regardez ça! On tire que sur le gardien. Depuis le début, on n'a fait que des frappes, soit pas cadrées, soit sur le gardien. C'est impressionnant. C'est vraiment, il y a un truc qui va pas dans cette vidéo. Il y a un truc qui va pas. Bon, le jeu ne veut pas, donc décidément. Voilà. Voilà. Ça résume tout, donc on passe à la deuxième mi-temps. Mais là, franchement, c'est lourd parce que. Je fais tout pour vraiment faire bien et au final ça fait que de la merde. Et ça m'énerve parce que je peux pas vous montrer comment j'ai progressé parce que moi je sens que j'ai progressé, mais je peux pas vous le montrer parce que le jeu décide que non, je ne peux pas faire ce que je veux. Je décide de faire des choses et ça fait toute autre chose. Donc là franchement Alors vous allez me dire, oui, c'est facile de rejeter sur le jeu, en fait t'es une merde, t'es une merde. Mais bah dites que moi je suis une merde. Moi je vous dis ce que je pense. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah dites-moi que je suis une merde. Alors regardez, le joueur, le gardien, je lui demande de sortir, il marche en crabe. Au bout d'un moment, j'y peux rien, moi. Hein. Là. Voilà, je sais que c'est Y pour sortir. Le ballon il passe devant moi, et il me passe devant moi, tant pis, le gardien il décide de pas la prendre. C'est comme ça, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Dites-moi ce que vous voulez. De toute façon, je sais qu'il y en a qui aiment bien hein, s'acharner dans les commentaires. Hein. Ils s'amusent à dire. Tu dis que t'as progressé, mais t'es une grosse daube. Eh ben oui, bah, je suis une grosse daube. Vous savez, comme si vous savez comme votre avis, je m'en contrecarre. Mais alors surtout ceux qui disent, ceux qui sont juste là pour dire, t'es nul. Alors vous. Mais alors vous, qu'est-ce que je vous aime? Vous pouvez pas imaginer. D'ailleurs, ça se passe tellement mal dans cette vidéo. Enfin, je pense que vous serez d'accord avec moi. Ça sert à rien que je fasse 4 matchs pour que ce soit 4 matchs de merde. Donc on va s'arrêter au troisième match pour pas que ça continue à dégringoler dans une espèce de médiocrité qui ne fait que s'accroître. Donc bon, on va finir ce match face au Bayern, tant bien que mal. Et puis on fera pas le dernier match face à Leipzig. Je préfère arrêter là pendant qu'il en a encore temps. Parce qu'après ça va m'énerver plus qu'autre chose et plus ça m'énerve, plus je fais de la merde. Donc c'est pas la peine.
Là, c'était le moment où c'était pas le moment, on va dire. Bon, dommage. Au moins une occasion où le gardien va la chercher alors qu'elle était dehors. Aïe, aïe, aïe. Hop. Bon, allez, parce que là j'en ai marre en fait, ça me saoule cette vidéo. Allez, parce que là j'en peux plus. Et je suis vrai avec vous, hein, je vais pas recommencer la vidéo. Je pourrais recommencer et me dire, allez, c'est bon, elle était nulle cette vidéo, je recommence. Mais non, ça sert à rien que je recommence. Ça sert à quoi? Ce serait vous mentir. C'est pas le but. Voilà, j'ai à proposer ça en ce moment. Bah, enfin, aujourd'hui j'avais ça à proposer. Le jeu a décidé que je devais proposer ça. Bah, voilà. On propose ça et puis c'est tout. Ça changera rien que je recommence 10 fois. En plus, pire, parce que là, si je recommence maintenant, faut que je me retape les 3 autres matchs. Enfin, les 2 autres matchs. Et du coup, je suis déjà énervé, vous voyez. Donc, c'est pas la peine. Ça sortira jamais les vidéos. Donc, bon, bah voilà. On a fait de la merde sur cette vidéo. On fait de la merde, mais pas que moi, hein, toute l'équipe. Là, c'est bon, quoi. Ça m'a saoulé. D'ailleurs, je vous propose un truc. Je vous propose un petit truc. On va faire une. Là, c'est une vidéo où j'ai ragé. Voilà. Où je me suis énervé. Donc, vous allez dire. Putain, j'ai cru que j'allais en prendre un troisième. Là, j'ai balancé la manette. Vous allez me dire dans les commentaires tout ce qui vous énerve dans la vie de tous les jours et dans les jeux vidéo aussi en général. Vous dites pas que je vous énerve. Enfin, je lirai pas ces commentaires. Vous me dites ce qui vous énerve dans la vie en général, les jeux vidéo, tout ça. Vous me dites ce qui vous énerve et choisirez certains qui les plus drôles et puis je les lirai lors de la prochaine lors du prochain épisode. Voilà, on fait un petit truc comme ça. Pour que ça fasse une vidéo rage tous ensemble. Mais c'est marrant. Voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. Bon, les amis, je suis désolé, ça aura duré moins longtemps que prévu. Mais là, ça va. J'ai eu ma dose. On va aller jusqu'au prochain match, c'est-à-dire après les matchs internationaux. On va avancer tranquillement jusqu'au prochain match. Et puis, ben, ça sera bien. On aura avancé. Aïe, 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 je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé pour cette qualité. Mais bon, il y a des jours où ça veut pas. Bon, en ce moment, c'est un peu souvent, mais bon. Il y a des jours où ça veut pas, et puis voilà. Bon, après, au niveau des objectifs, je suis pas mal. Je suis au-dessus dans deux. Il faut juste que j'aie l'invincibilité, la note moyenne, mais ça devrait le faire. Si on se reprend dans les prochains matchs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici. On aura fait que 3 matchs, je suis désolé. Peut-être qu'on en fera 5 dans la prochaine vidéo pour se rattraper. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu en commentaire, même si ça va être compliqué de lâcher un pouce bleu sur cette vidéo. Mais je compte sur vous, ça fait toujours plaisir. Et puis ça me soutient dans cette période difficile en tant que gardien. À partager la vidéo si vous a vraiment plu et à vous abonner pour rejoindre avec moi le monde de la folie et suivre la suite de ce let's play. C'était Dartrix. Bisous tout le monde.